Pech mehr. Es ist nun mal eine Lotterie und er geht enttäuscht in die Kabine. Martin Lammers, le néerlandais de Vitesse Arnhem, transféré cette année à Harelbeek, qui botte ce premier coup de coin. La tête de Verskeld qui ne passe pas loin. Ou plutôt le ballon est passé loin, mais il s'en est fallu de très peu pour que cela n'aboutisse dans les filets. C'est pas terminé. Frunza sur le poteau. Le coup de coin est botté court cette fois par Frunza qui remet Arkadiusz Kubik. La talonnade et c'est goal. Ah, quel beau but de Patrice Zéret qui a surpris tout le monde, là, y compris Philippe Van de Waal. Patrice Zer, 1-0 pour Harelbeek, 9 minutes 25 secondes de jeu. Regardez le petit coup de coin joué rapidement avec Frunza et puis Kubik. Le tir dévié du talon par Patrice Zer. Harelbeek mène 1-0 à la plus grande joie évidemment de ses supporters. Alors la remise en jeu effectuée par Dedeneux. Tchernia, Van Ankeren qui fait sauter le ballon vers Urban. La reprise de Urban et c'est goal. Oh, fantastique reprise là de Florian Urban qui a transpercé Ronald Gasperczyk au propre comme au figuré. Voilà Urban qui signe son retour dans la compétition belge de maîtresse façon. Regardez le ballon de Van Ankeren et la reprise de volée instantanée. Le petit bond qui fait très très mal. Zer. Ouh, Zer qui remet dans les pieds de Van Ankeren et le ballon maintenant l'occasion en or et c'est but ça. But de Verstraten qui était monté. Quelle erreur là-bas de Patrice Zer qui profite à Ekeren. Eh bien, 44 minutes de jeu. Voilà le Germinal qui est formidablement bien payé de ses efforts. Alors, Dedeneux pour donner ce ballon certainement. Avec Hoffmans, Skassens, Dedeneux, le tir brossé, l'intervention et la tête de Tchernia, c'est goal. Intervention de Gasperczyk qui n'a pu dévier que dans la direction de Alexandre Tcherniatinski qui inscrit là son premier but pour le Germinal Ekeren. Regardez ce coup franc de Dedeneux, Gasperczyk du bras et puis Tchernia en baroudeur des rectangles qui a bien suivi et qui inscrit là le troisième but d'Ekeren. 1-3, on rejoue depuis 10 minutes en seconde période. Récupération de Lammers dans les pieds de Verskeld, de Yousfi. Ça c'est bien joué pour de Tolenaere tout seul qui va marquer, oui. Voilà le but pour Harelbeek, le but de l'espoir peut-être, 2-3. Joris de Tolenaere qui inscrit donc là son premier but de la saison. On revoit le bon mouvement à Harelbeekois et Yousfi dans la profondeur pour de Tolenaere qui résiste au retour de Abora et devance la sortie de Philippe Van de Waal. 2-3, il reste donc 12 minutes de jeu. Et voilà la fin de cette rencontre. Beaucoup de buts, un match attrayant et puis la première victoire du Germinal Ekeren qui après avoir été surpris à domicile la semaine dernière a redressé la barre cet après-midi à Harelbeek en l'emportant ici. Certes côté anversois la manière n'y était pas toujours mais Ekeren s'est montré le plus réaliste, score final 2-3. Si l'on prétend que les meilleures soupes se font dans les vieilles casseroles, le meilleur football réclame pour sa part une pelouse impeccable. Au Parc Astrid, le terrain est flambant neuf et sans doute pas étranger à l'excellent spectacle proposé hier par la jeune équipe en orlectoise. Après un premier essai signé Préco, ce coup franc de Zetterberg est remarquable de précision. La détente et le coup de tête de Samuel Johnson le sont également. 14 minutes au chrono et premier but inscrit par le jeune Ghanéen dont le jeu de tête est réellement impressionnant. 4 minutes plus tard, c'est au tour de l'autre perle du Ghana de se mettre en évidence, un relais avec Boffin, avant de s'infiltrer dans le rectangle limbourgeois. Tout est parfait, l'accélération, la conduite de balle et la frappe du pied gauche. Yo, Préco, 2-0. Dans un autre registre, revoici Préco. Hendrix n'en profite pas, mais Lommel aurait dû bénéficier d'un coup franc. De Vlieger n'avait pas le droit de prendre cette balle en main. Au départ du troisième but, il y a Gilles de Bilde, très mobile et très travailleur. Son centre parvient à l'excellent père Zetterberg. La suite se déguste sans modération. Clairvoyance, précision, technique, sens du but. Gilles de Bilde, 3-0. À Lommel, on a perdu toute illusion. Même Van Gunnug donne pourtant si à Bilde son pied gauche. Ne peut inquiéter de Vlieger. Matheson, en revanche, n'est pas au bout de ses peines. Olivier Doll de la tête pour exploiter un nouveau coup franc idéalement donné par Zetterberg 13 minutes après le repos, 4-0. Et le spectacle se poursuit. Interception de Wallem qui ouvre très intelligemment pour Boffin. Préco, lui, fonce vers le point de pénalty.
Un service millimétré pour surmonter le gardien Limbourgeois et le public peut exploser pour la cinquième fois. Cela s'appelle de l'excellent football. Et pour que la fête soit totale, après la répétition de ce deuxième but de Préco, place à l'émotion, Musonda, le retour. It was great from the public of Anderlecht and from the soccer fans who come to watch football here. And anyway, I will remember for the rest of my life, sure. Samuel Johnson, lui aussi, conservera un très bon souvenir de son premier match officiel au stade Van den Stock. Un deuxième but impressionnant, à l'image de son équipe, même si l'adversaire était tout sauf redoutable. Quand on jouera en Coupe d'Europe à partir du mois prochain, on pourra un petit peu plus juger de la qualité de tous ces joueurs que nous avons vus aujourd'hui briller. Et c'est là que vraiment on pourra dire, on pourra voir s'il y a vraiment un renouveau. Mais la qualité, hein, ça c'est sûr. Un dernier petit mot, Baba Yaro, où en est-on? Ben, j'espère le voir demain matin. Mais il y en a quelques-uns qui me disent... Où est-ce qu'on va le mettre dans l'équipe? Je crois que c'est une bonne chose. Quand on peut avoir un champion olympique et qu'on se demande où on va le mettre dans l'équipe, je crois que c'est vraiment... Alors, on peut dire que Anderlecht peut être heureux et le président aussi. Il y a quelques mois, Moucron-Lokeren constituait une belle affiche de Division 2. Hier soir, les deux équipes se disputaient la tête du classement général de Division 1. On peut donc imaginer une certaine angoisse, d'autant qu'après 74 minutes de jeu, les deux gardiens sont toujours invaincus. Mais sur ce coup franc de Lemoine, Dow pousse Janssens à la faute. C'est bel et bien le joueur de Lokeren qui trompe son propre gardien, ce qui n'empêchera pas les supporters moucronois d'exulter. Une joie de très très courte durée, quelques secondes à peine, car suite à cet envoi de Boutka, Linskens frappe sans se poser de questions, un but partout. Stupéfaction. Mais à quelques minutes du dernier coup de sifflet, la défense de Lokeren s'affole. Pénalty, carte rouge pour le gardien de Skraver, que l'on remplace par un joueur, car il n'y avait pas de gardien réserve à Lokeren. Dominique Lemoine, lui, ne laisse pas filer l'occasion. Georges Lekens peut être satisfait. On a basé sur technique et des vitesses, comme j'ai justement dit, et certainement pas sur un football très agressif. Et je crois que si on peut avoir pas trop de blessures et pas trop de suspendus, je crois qu'on peut se maintenir en première division avec un football agréable pour le public et pour vous autres. Un service de la Romance, une tête de Lehmann, le RWDM, ne cache pas son envie d'inscrire enfin son premier but en championnat. Une envie partagée par Saint-Tron et surtout par Wuits, ex-Molenbeekois, mais en vain. Les Bruxellois insistent, la volée de Nissonen est puissante, mais elle manque de précision. Il faudra en fait une grosse erreur défensive pour permettre au RWDM de trouver l'ouverture. Kounen manque son dégagement, Frédéric Pierre ne prend même pas le temps de lui dire merci. La réaction des Limbourgeois est immédiate. Après avoir concédé la défaite au Standard la semaine dernière, les joueurs de Saint-Tron comptaient beaucoup sur leur premier match à domicile pour engranger leur premier point de la saison. Mais ni Peterson ni Goetz ne parviennent à égaliser. La défense bruxelloise résiste et dans les dernières secondes, Nissonen profite de ce dégagement de Van der Smissen pour laisser parler son audace. Du gauche enfoulé, Velkoners s'attendait à tout, sauf à cela. Joli but de Nissonen, manifestement très heureux comme vous l'avez vu. Dans le wagon de tête, il n'y a plus désormais qu'un club poilon, vous le verrez sur le classement. Et c'est Moucron, Charleroi et le Standard n'ont pas confirmé leur brillante entrée en matière de la semaine dernière. Hier, ils ont connu le même sort, la défaite. Les premiers ont été battus à Gand, les seconds à Genk. Qu'on retrouve Philippe-Antoine. Lors des coups de coin, un joueur à chaque piquet, c'est la consigne à Genk et c'est bien utile. Dans la défense du Standard, en revanche, les consignes semblent plutôt négligées, on compte alors sur Peter Maas. Repousser des points, le gardien de Genk est aussi contraint de le faire, le coup franc de Skepens prenait la bonne direction, mais c'est devant le but liégeois que le danger se fait le plus présent, où l'arrêt s'échappe sur la droite, frappe puissante du pied droit. Au repos, c'est 0-0, mais l'entraîneur du Standard n'est pas vraiment serein, sans doute une prémonition.
13 minutes de jeu en seconde période, le coup de poing limbourgeois est mal dégagé par la défense du Standard et la volée de Delbrouck est repoussée par Jaskulski derrière la ligne fatidique. Monsieur de Blekereux a donc eu raison d'accorder le but, un avantage mérité pour Genk, un avantage que Stroupard aurait pu doubler quelques minutes plus tard, mais l'intervention de Maas est décisive. Dans l'autre camp, Wamberto traverse la défense, cède intelligemment le ballon à Skepens, qui trouve Michael Gossens. La reprise de la tête est parfaite, le Standard égalise et Jos Dardenne demande alors à ses joueurs de conserver ce point du partage. Mais la consigne, une fois encore, est bien mal respectée. En défense, la rigueur est oubliée, le marquage négligé, Asi et Gore n'en demandaient pas tant. Maas constate les dégâts, c'est 2-1 à 5 minutes du terme. Dans les dernières secondes, on retrouve le duo gagnant des Limbourgeois. Gore renvoie l'ascenseur à Asi. Première défaite du Standard nouveau que Jos Dardenne refuse d'imputer à la fatigue. Si on avait gagné ici, on aura dit oui, ça tourne. Maintenant, on gagne comme équipe, on perd comme une équipe. Donc il faut continuer. C'est la première défaite dès le 13 juin, donc il ne faut pas paniquer maintenant. Qu'est-ce qui vous a déçu le plus au sein de l'équipe du Standard ce soir? Ben, vous savez, moi, c'est trop frais pour répondre à ces questions-là. Je vais analyser ce match demain et à partir de lundi, je vais en parler à mes joueurs. De retour à Gand, après son passage à Sclessin, Ronald Foggen croise Zolt Petri, ancien Buffalo devenu zèbre. Cela peut paraître un peu compliqué. En résumé, cela se traduit par 1-0 en faveur de la Gantoise après 25 minutes. Il en faut plus pour démoraliser Charleroi, mais les occasions restent sans suite. Une tête de Brogno à côté, puis une volée de Surahi, intéressante, mais bien captée par le gardien gantois. C'est alors au tour de Nordin Jbari d'entrer en scène. Mésentente totale dans la défense Carolo et le jeune joueur formé à Anderlecht propulse le ballon hors de portée de Petri. Gérard, Moury et Balog ne sont pas exempts de tout reproche. Mais Nordin Jbari sait aussi construire son but, un service idéal de Nivaldo. Après 65 minutes, c'est 3-0. Et Nordin de nous expliquer que c'est en fait l'entraîneur qu'il faut féliciter. J'étais presque obligé de répondre à cette confiance. Je marque 2 goals, c'est vrai que c'est formidable pour moi, pour un premier match en première division, mes premiers goals en première division. Et en plus, si vous savez marquer et que l'équipe gagne, c'est le tout, hein, c'est bouclé, quoi. À 9 minutes du terme, Brogno sauve ce qui peut encore l'être. Après un excellent départ face à l'Antwerp, Charleroi n'a pas confirmé à la Gantoise. Un point positif, les Carolo assument. Aujourd'hui, c'est collectivement que nous avons pêché. Je crois qu'il n'y a pas photo. Je crois qu'on a eu un manque d'orgueil, surtout quand nous avions été menés. Je crois que là, il y a eu un problème. Je crois qu'il faut en parler à l'entraînement, parce que si maintenant, à chaque rencontre, nous sommes menés, nous n'arrivons pas à réagir, il y a un gros problème. Et s'il n'y a pas photo, Marco, alors? Pour le reste, Alost, qui avait tenu Anderlecht en échec il y a 8 jours, est allé s'imposer au Cercle de Bruges, tandis que l'Antwerp a écarté Malines pour faire oublier, Philippe-Antoine vient de le rappeler, une première déroute à Charleroi. Les deux matchs avec Didier Lake. Pour leur premier match à domicile, les Anversois se devaient d'effacer la déconvenue du week-end dernier. Et c'était bien mal parti, puisque dès la 12e minute, sur coup franc, l'Autrichien Ralf Hasenhüttl, servi par l'international géorgien Arveladze, trompait Van der Straten d'un tir tendu au premier poteau. Il faudra attendre le début de la seconde période pour voir un mouvement anversois digne de ce nom. Manu Godefroy profite d'une mésentente entre Valgaren et Arveladze et file vers le but. Drouguet ne peut capter le tir de l'anversois et Severens, opportuniste, remet les deux équipes à égalité. À la 70e minute, Severens encore est plutôt esselé sur le flanc gauche. Centre, William Verbeek frôle le ballon qui s'en va mourir au fond des filets. C'est 2-1. 8 minutes plus tard, cette fois c'est Godefroy qui centre et Didier Seguer s'est gêné par Kiken. S'il trompe son propre gardien, c'est 3-1. Il y a quelques secondes du terme, le Bosniaque Mario Dodik s'y reprend à 2 fois et scelle définitivement le score de cette partie. Antwerp 3, Malines 2. Le Cercle de Bruges recevait Alost hier soir et la semaine dernière, aucune de ces deux équipes n'avait inscrit le moindre goal. Première occasion franche, Christophe Loers tente un tir à l'entrée du grand rectangle, trop faible, Fay se couche sur le ballon.
Quelques minutes plus tard, passe canonne sur le portier brugeois qui dévie des points en corner. Sur le coup de coin, passe en relais avec Van der Horn, tente un tir au premier poteau, Face est encore à la bonne place. On joue depuis quelques instants, seconde période, Tormas se joue de Dovley Shower, son tir est superbe comme la parade de Danny Dunt. À la 53e minute, la mer centre pour Tormas qui de l'extérieur du pied inscrit le premier but de la saison pour le cercle, 1-0. 10 minutes plus tard, réaction à l'Austoise, Carlos trouve Lowers qui d'un superbe geste technique évite son défenseur et s'en va tromper Face, c'est un partout. On se dirige alors tout droit vers un match nul lorsqu'à la 84e minute, après une belle combinaison entre Pass et Mason, ce dernier centre pour Chris Porte qui signe un des plus beaux buts de la soirée. Score final, CS Bruges 1 à Lost 2. Voici le tableau des résultats et pour être tout à fait complet, vous ne manquerez pas le rendez-vous de 22h30 sur 21 Lierse-Bruges. Match qui débute à 20h. On a marqué 32 buts dans cette journée, deuxième journée déjà. 3 victoires à l'extérieur pour Alost, Molenbeek.